Sept mots qui vont tout changer pour toi. Sept mots qui ont le pouvoir de changer ton quotidien. Sept mots qu'il faut absolument que tu prononces le plus fréquemment possible. J'ai le pouvoir de changer ma vie. Répète après moi. J'ai le pouvoir de changer ma vie. Pas uniquement le prononcer comme on te demande de répéter une phrase dans le cursus scolaire, mais le prononcer en ressentant la puissance de ces mots. C'est réaliser qu'on a le pouvoir à l'intérieur de soi de changer quoi que ce soit dans notre quotidien, nos fréquentations, notre bien-être interne, nos finances, notre lieu de vie, notre emploi. Le fait de prononcer cette phrase, les yeux fermés, de ressentir que cela est bel et bien notre réalité, que j'ai le pouvoir de changer ma vie. C'est un petit peu comme si t'étais un surhumain, un personnage d'un dessin animé fantastique, qui a un pouvoir unique, qui est de changer sa vie. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que ce pouvoir de changer sa vie, de changer sa propre existence de vie, il n'y a pas que les super-héros qui l'ont. Tu l'as toi aussi. Il faut juste que tu en prennes conscience. Et pour en prendre conscience, il faut que tu te répètes cette phrase un bon nombre de fois. J'ai le pouvoir de changer ma vie. J'ai le pouvoir de changer ma vie. J'ai le pouvoir de changer ma vie. De vivre la vie que je désire, avec les gens que je souhaite, avec les finances que je désire, dans le lieu de vie qui me correspond, avec les émotions que je choisis. J'ai le pouvoir de changer ma vie. Le fait de se répéter certaines phrases comme celle-ci ont réellement un pouvoir sur l'ensemble de ton quotidien. Parce qu'à force de répétition, tu commences à reprogrammer ton subconscient et à bel et bien réaliser, consciemment et inconsciemment, en utilisant l'ensemble de tes hémisphères, les deux hémisphères, en utilisant aussi ton conscient ou ton subconscient, que oui, tu as le pouvoir de changer ta vie. Et à force de répétition de cette phrase, la prochaine fois que tu vas être confronté à un scénario difficile auquel tu penses que tu n'as pas d'alternative, tu te souviendras que j'ai le pouvoir de changer ma vie. Et que peu importe ce qu'il se passe, peu importe la situation à laquelle je suis confronté, peu importe la difficulté à laquelle je suis confronté, je sais que j'ai les capacités de trouver une solution adaptée à cette problématique à laquelle je suis confronté. Parce que j'ai le pouvoir de changer ma vie. Les affirmations audio, les affirmations visuelles ont une grande importance dans ta vie. Les gens négatifs ont eux aussi des mots qui se répètent. Mais cela ne leur permet pas de changer leur vie. Cela leur permet de plonger en permanence et de nager toute la journée dans cette négativité parce qu'ils ont des affirmations qui se répètent en permanence. Mais celles-ci sont négatives et non pas positives. Celles-ci leur enlèvent du pouvoir plutôt que de leur donner du pouvoir. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent? La plupart des gens sont négatifs. Et qu'est-ce qu'ils racontent en permanence? Aussi, ils utilisent des mots, notamment 5, qui leur enlèvent le pouvoir de leur vie. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je ne suis pas responsable. C'est pas ma faute. 4 mots, un mantra, une citation qui se répète en permanence. Je ne suis pas responsable. 5 mots, une affirmation audio qui se répète en permanence, qui leur enlève leur pouvoir personnel de changer les choses. À partir du moment donné où tu prends la décision de prendre tes responsabilités, je peux te garantir que j'en suis une preuve vivante. Tu peux changer ton quotidien. Mais pour cela, il faut que tu te répètes cette phrase. J'ai le pouvoir de changer ma vie.
Parce que quand tu as un pouvoir, on ne peut pas te l'enlever. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et ce pouvoir, tu l'as. La question est-ce que tu fais le choix de l'utiliser ou de le laisser mourir avec toi? Dans le cimetière, il y a plein de gens qui ont ce pouvoir et qui ne l'ont jamais utilisé. Est-ce que tu veux que cela soit ton cas? La réponse, je la connais. Évidemment qu'elle est non. Donc répète cette phrase encore une fois. J'ai le pouvoir de changer ma vie. Parce que cela est le cas. Cela est bel et bien la réalité. Donc si tu veux trouver d'autres affirmations audio, que je t'aide à reprogrammer ton subconscient et à penser de plus en plus positivement envers la vie elle-même, envers ta propre personne, et faire en sorte de te redonner ton pouvoir personnel, tu peux télécharger mes affirmations audio qu'il y a sur mon site internet, le lien est dans la description. Donc je te laisse aller les télécharger, je peux te garantir qu'elles vont changer le cours de ta destinée, parce que tu pourras reprendre le pouvoir que tu as toujours eu, c'est-à-dire le pouvoir de changer ta vie. Donc on se retrouve de l'autre côté, sur mon site internet, sur ce prends soin de toi, et passe une excellente journée. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin pour me sentir confiant. J'ai le pouvoir de réaliser tous mes rêves. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne des meilleures choses de la vie. J'ai de grandes capacités et mon potentiel est illimité.